Nous sommes installés dans un bâtiment tout à fait original en France, puisque c'est un archéopôle qui est sur le campus universitaire. Vous avez la maison de l'archéologie au centre, et sur le côté gauche, l'archéopôle permet de recevoir du public, alors que c'est également le labo de recherche dans lequel nous avons un centre de réalité virtuelle avec une double fonction. On l'utilise pour les projets de recherche et on va l'utiliser également pour recevoir du public où on peut montrer directement les dossiers en cours. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant et on commence à avoir du public qui revient voir où est-ce qu'on en est sur certains projets et on leur montre à nouveau comment nous avons avancé depuis quelques années. Également, il y a un plateau de production où on a à peu près entre 8 et 10 postes installés en permanence de production 3D. Et une série de scanners, on a deux scanners pour faire la numérisation, l'acquisition de données. Alors, je vais évacuer la numérisation avec deux petits projets que je vous montre au passage, et après on viendra sur les points de modélisation et de recherche scientifique. Donc ça c'était très expérimental, c'était dans les années 2000. Donc on a effectué, 2005, hein, une numérisation du sphinx des Naxiens, et à partir du fichier numérique, on a testé les possibilités de reproduction par prototypage, c'est-à-dire l'utilisation d'un robot tailleur de pierre, pour voir comment est-ce qu'on pouvait, quelles en étaient les limites et quels pouvaient en être les intérêts scientifiques. Voilà un sphinx en cours de taille par le robot, donc c'est un robot 6 axes. Il y en a un seul actuellement en France qui fonctionne, qui est dans la région de Reims. Voilà en cours de fonctionnement, ça vous donne une idée. Donc, après tout le travail qui a été fait en amont dans le cadre de mon équipe, donc on amène le fichier et qui est repris par des tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre donc, utilisent leur soft de découpage en phase de taille et après vous avez ce genre d'opération qui vous amène, donc si vous venez sur Bordeaux, sur le campus, et si vous passez à l'archéopôle, vous verrez le résultat fait en marbre. Donc c'est un bloc qu'on a commandé à Carrare pour le faire, et malheureusement, après avoir fini l'opération, on s'est rendu compte qu'on aurait pu commander un bloc de marbre dans la carrière d'origine du sphinx des Naxiens. Bon, on ne savait pas qu'elle était exploitée sur un de ses versants, on l'a découvert qu'après, c'est dommage, on aurait pu l'avoir dans le document original. Également, au passage, donc, je vous signale un champ de la 3D en archéologie qui est en train d'exploser littéralement, c'est la photogrammétrie. Alors la photogrammétrie, c'est une technologie assez ancienne. Mais à l'heure actuelle, avec tout le travail qui est fait par les laboratoires d'informatique et les ingénieurs, et également dans mon équipe, où on a un staff qui est réellement là-dessus, on arrive à être quasiment aussi bon que du scanner laser en termes de définition et de précision. En même temps, vous avez les éléments visuels qui sont meilleurs que du scanner laser. Et surtout, c'est qu'un archéologue est capable de faire des photos, il a l'habitude de travailler sur des photos, alors qu'il n'a pas l'habitude de travailler sur un nuage de points issu d'un scanner laser. Donc il est dans son propre élément, et à partir de cet élément-là, on est capable de lui sortir des nuages de points 3D sur lesquels il va pouvoir travailler, tout du moins les stocker, et éventuellement revenir dessus. Mais on va, voilà, à peu près, donc là, c'est simplement vous faites de la prise de vue avec un appareil photo, il n'y a même pas besoin de cible, il n'y a besoin de rien. Il suffit de prendre certaines précautions dans les prises de vue, et à partir de ça, on est capable d'amener des nuages de points très très définis et très très précis. Maintenant, je vais revenir à l'aspect modélisation et plus projet de recherche. Donc, mon équipe est impliquée dans plus d'une centaine de projets, à peu près 100-120 projets. Ça va de la préhistoire à l'archéologie industrielle. Et je vais vous présenter trois exemples de projets pour vous donner un peu une idée de ce que l'on fabrique. Alors, le premier projet, c'est le Circus Maximus que j'ai présenté hier ou avant-hier, lundi. Voilà, j'ai modifié un peu les images pour ceux qui ont déjà eu. Donc l'idée dans le cadre du Circus Maximus, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnait l'édifice où se déroulaient les courses de chars. Bon, pour mieux comprendre comment il fonctionnait, ben, on passe par une restitution 3D qui va nous servir de support à la compréhension du site. On utilise toutes les données archéologiques et également une des spécialités de mon équipe, c'est de travailler sur les représentations iconographiques. Dans quelle mesure elles peuvent nous apporter des informations tout à fait pertinentes dans la restitution. Parce que l'image a souvent été négligée dans cet aspect-là, puisque l'image est supposée être non-perspective, etc. Alors qu'en fin de compte, ces images sont très très fortes et sont très chargées de données très très précises. Et à partir de tout ça, une première synthèse est élaborée. Ce qu'on appelle, nous, c'est le niveau V1 dans notre jargon local bordelais. Le niveau V1, c'est-à-dire que le modèle que vous voyez, là, c'est une personne, une année à temps plein. Mais ce modèle, scientifiquement, ne tient pas la route. C'est une première tentative, c'est un premier élément qui est fait.
qui va nous permettre de commencer la recherche. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ce modèle initial, on ne va pas pouvoir démarrer la recherche parce qu'on va parler dans le vide. Là, on va commencer à parler dans du concret. Mais quand on élabore ce modèle, c'est tellement complexe, c'est tellement long, il y aura tellement de travail, il faut quand même le faire. Donc on le fait, mais il y a des choses, par exemple, voilà. Sur l'arête centrale ici, vous avez des bassins d'eau. C'est des bassins dans lesquels on puise l'eau pour venir arroser les chevaux pendant la course. C'est un peu comme les Formule 1 où on met de l'essence. On a omis les passages. Les passages d'un côté de la piste à l'autre n'y sont pas. Il est bien évident que les personnels n'allaient pas traverser à la nage ou dans l'eau à chaque fois. Et après, au bout d'un moment, on a fini par se poser la question. Donc, dans les phases de séminaires postérieurs, on va voir. Et donc, dans ces phases de recherche, à un moment, on va se dire, ah bah oui, mais là, il y a un problème. Donc, on reprend la documentation, on se rend compte, ah oui, c'est représenté dans telle mosaïque, c'est confirmé par tel texte. Donc, après, on va modifier. Alors, tout ça, on va faire des allers-retours entre des réunions de scientifiques ou en certains séminaires, on va faire venir des chercheurs qui n'étaient pas liés au projet. Par exemple, à un moment, on va travailler sur le son. Le son dans le circuit Maximus, est-ce que l'empereur peut être entendu depuis la piste? Est-ce que les orgues hydrauliques sont entendus par tout le monde, juste une partie de... Bon. Donc là, on va faire intervenir des ingénieurs en son, qui n'ont rien à voir avec l'archéologie. On a fait intervenir une équipe suisse qui est spécialisée dans la sonorisation des grands espaces et des grands stades. Et à partir de là, ils vont travailler un jour avec nous, présenter ce qu'ils savent à partir de ça, et on va prendre des décisions et transformer le modèle. Donc si vous voulez, tout ça, ça permet d'avancer, et au bout de 8 ans, vous avez ça. Donc là, il y a 8 ans d'écart entre le premier modèle et celui-ci, mais ça veut dire, ben, non pas une équipe qui a travaillé pendant 8 ans, mais des allers-retours tous les 3 mois, 6 mois, avec des phases intermédiaires, voilà. Alors, par rapport à l'épiderme que tu avais expliqué tout à l'heure, donc là, je n'ai pas mis les photos d'intérieur maintenant, mais dans le circus maximus, il faut bien comprendre que là, on a toutes les circulations, tous les escaliers, tous les ensembles qui sont traités aussi à l'intérieur. Ce n'est pas simplement une vue comme ça. Donc, ça, c'est une vraie maquette numérique intégrale. Alors à partir de ça, les modèles, on va les essayer en simulation. Donc par exemple ici, on simule l'éclairage, enfin le passage du soleil sur les gradins. Bon, c'est un classique, mais là c'est intéressant, puisque maintenant on a un modèle qui est quand même très très proche au niveau de la géométrie de tel qu'il devait être dans l'Antiquité. Évidemment, c'est pas encore ça, mais enfin là on en est vraiment pas loin. Et à partir de là, on peut reprendre les sources anciennes pour comprendre comment fonctionnaient les places au soleil, pas au soleil, etc. Puisque ça avait une certaine importance dans l'organisation du spectacle et de la place des gens. Également, on va pouvoir simuler la vision qu'avait le conducteur de char, puisque là encore, bon, il faut bien penser qu'une course de char dans l'Antiquité, c'est réellement la course de Formule 1, avec des chars qui sont hyper réglés, des équipes qui sont là pour faire en sorte que l'équipe soit gagnante, des luttes, des combats, et c'est un spectacle. Donc le bâtiment est fait pour ça, pour absorber ce spectacle, que tout le monde soit content, que la course se passe bien, que les juges puissent bien vérifier ce qui se passe, que l'empereur récupère tout le bénéfice, et ma foi, le public, que ce soit du foot, les voitures, là, enfin, c'est un peu dans le même esprit. Alors, tout ça, voilà, ça nous amène... Alors, on va pouvoir vérifier certaines choses. Donc là, on a la place de l'empereur, ben, on se rend compte, ça paraît normal, mais maintenant, on peut le voir, on peut le concrétiser. Et il a une très bonne vue sur le départ, mais surtout, il a une très très bonne vue sur l'endroit où il se passe les accidents, là où c'est le plus spectaculaire, c'est la sortie du virage, où les chars se cassent la figure, ils se roulent les uns sur les autres, il y a danger, hein. C'est comme au 24 heures du Mans, mais pas les gens, juste en face, l'endroit où il ne se passe rien. On les met à la chicane, on les met au ravitaillement, on les met à l'endroit où ils vont le plus vite, on choisit la position où les met. Donc tout ça, si on le savait, là, ça permet d'avoir des choses un peu plus précises. Alors, par exemple, dans la littérature, on trouve au musée, dans l'exposition, c'est marqué aussi, qu'il y a 250 000 personnes qui viennent au cirque. Et nous, maintenant, cirque du 4e siècle, on peut affirmer, il n'y en rentre pas 250 000, hein, il y en rentre 95 000 maximum. Simplement, ça ne rentre pas. Alors, ce qu'on dit, c'est... Les collègues disent pas n'importe quoi, romanistes, simplement on leur dit 250 000, c'est sans doute le nombre de personnes susceptibles d'aller au stade, mais nous on dit ils n'y vont pas le même jour, ils ne peuvent pas, ensemble, ça c'est sûr, puisqu'on ne peut pas rentrer plus de 100 000. Donc vous voyez, ces modèles vont commencer à nous donner une possibilité de revoir la documentation ancienne avec des notions de quantité un peu plus précises. Ça ne prouve rien, mais on peut redescendre dans une meilleure compréhension de ces sources. Là, j'ai des tests sur le son. Et puis encore en prototypage, ça c'est pas sur pierre, c'est sur de la résine. Donc là, j'ai pas pris la bonne diapositive, c'est pas grave. C'est les contours, hein, qui permettaient au public et au conducteur de char, au juge, de savoir comment c'est. Donc il y a un contour avec des œufs, un contour avec des dauphins. Et là, c'est celui aux dauphins qu'on a fait réaliser en résine à partir d'imprimantes 3D. Donc, ces imprimantes qui déposent de la résine en fonction du modèle numérique. C'est cuit au fur et à mesure, enfin, il y a plusieurs techniques. Et ça devient. Non pas commun, mais enfin ça devient
quand même de plus en plus courant. Voilà. Et puis donc on va pouvoir mettre en place pas mal d'animations et utiliser le modèle un peu dans, comme on le souhaite. Ah, je vous montre un tout petit peu de circus. Les calculs de rendu, qui nécessitent des capacités informatiques très lourdes. Et là, j'évoquerai tout à l'heure les partenariats que nous avons pour cela. Maintenant, on laisse Rome. Je vous parle d'un autre projet Aton 3D, donc, qui est. Là, on part en Égypte. Donc, là, c'est un projet que je dirige, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche en France, où on s'intéresse à tout l'urbanisme du règne d'Akhenaton. Puisqu'en fin de compte, il est très connu, surtout c'est l'époux de Nefertiti, mais c'est la période où il y a une rupture religieuse forte et politique qui s'opère en Égypte, et il se trouve que cette rupture, elle repose sur un urbanisme, un nouvel urbanisme inventif et très lourd et énorme. Et on n'a jamais fait le point réellement sur toutes les constructions du règne. Donc ce projet s'est donné comme but de faire le point sur toutes les constructions du règne, et pour certaines constructions, certains endroits, on va restituer, utiliser la 3D pour mieux comprendre ces espace et essayer de comprendre en fin de compte comment il a structuré l'ensemble. Alors voilà, c'est lui, Akhenaton, il est connu avec son physique un peu particulier. Alors on a tout un modèle de la ville d'Amarna, puisqu'il a construit une sorte de Brasilia, c'est une ville nouvelle, un terrain vierge, il fait construire une ville complète, il fait rapatrier l'administration dans ce secteur-là et tout est mis en place, donc c'est tout à fait passionnant. Alors ce modèle numérique, eh bien là, le musée de Genève voulait faire une exposition sur Akhenaton avec des objets archéologiques et souhaitait avoir une évocation de la ville de la Marna en 3D. Donc ils nous ont demandé si on voulait la faire. On a dit ok, on a un projet de recherche en cours là-dessus, mais ça va quand même coûter parce qu'il faut quand même réaliser le modèle de la ville. Et donc le musée de Genève a dit ok, donc ils ont financé la réalisation du modèle de la ville de la Marna pour qu'on puisse faire un film et présenter dans le musée. Du coup, l'équipe scientifique avait déjà un modèle complet de la ville de la Marna utilisable pour démarrer son projet. Donc là, on voit déjà la synergie qui commence à se créer. Et le musée de Genève, d'ici 2-3 ans, va sans doute faire une petite exposition sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la ville de la Marna. Et on va leur rapporter des données qui viennent du projet de recherche. Mais entre-temps, il y a 5-6 ans, on a découvert des choses, on a fait évoluer le modèle. Il s'est affiné, précisé. Donc les derniers résultats seront présentés par eux. Et bien évidemment, on ne va pas leur faire repayer tout le travail. Donc ils vont, au bout du compte, ils vont bénéficier de quoi ? De leur investissement initial, et ensuite du travail de recherche qui était financé par l'État français, d'autres musées, je vous expliquais, qui ont également mis la main à la poche pour d'autres intérêts, et tout ça se cumule au bout du compte, chacun de ceux qui ont participé récupère le modèle beaucoup plus large, et ça devient possible parce qu'il reste piloté par les scientifiques. Ce qui veut dire que nous, on a une mission assez lourde qui nous est confiée par le ministère, on est en charge donc d'un conservatoire national des données 3D, c'est que déjà tous nos projets, on les stocke dans ces nouveaux temples d'éternité, que sont ces énormes clusters, par stratégie et maintenant officiellement. Donc on est installé dans les clusters de la physique nucléaire. C'est un des 10 premiers centres de calcul au monde en termes de puissance de stockage et de puissance de calcul. Donc c'est utilisé par la physique nucléaire et le CERN de le LHC de Genève. Donc nous, on a nos affaires qui sont stockées là-dedans. Et on reçoit les dépôts, on commence à avoir des collègues qui font de la 3D et qui nous font des dépôts. Donc nous, on leur dit qu'on s'engage à leur restituer leurs données. Pour le moment, c'est la sauvegarde et on est dans la phase de pérennisation. Donc, comment est-ce qu'on pérennise, dans quel format, c'est assez complexe de faire. Mais on a tout un travail que l'on fait là-dessus, en partenariat évidemment avec des spécialistes. C'est nous qui pilotons, mais avec des spécialistes.